avec lui, mais il m'a tiré le reste. On est là. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je me nomme Kondé Aboubakar Dinkou. Je suis membre du conseil de quartier de Bamenguidé. D'accord. Monsieur Kondé, nous voyons effectivement que vous êtes victime d'inondation. Dites-nous quels sont les dégâts enregistrés suite à cette inondation. Ok, je vous remercie de m'avoir posé cette question. Depuis vers 4-5h du matin, la pluie a commencé à tomber. Nos concitoyens du secteur, c'est précisément le secteur Matia, n'ont pas pu dormir. Parce que quand ça pleut là, l'eau rentre dans leur concession. Donc il y a eu 16 familles victimes d'inondation de la pluie. Donc il y a eu des dégâts matériels, mais pas de perte en vie humaine. Il y a des familles qui ont perdu leur sac de riz. Il y avait à la maison, il y a des appareils qui sont détruits, l'eau est rentrée là-dedans. Donc il y a eu beaucoup de dégâts. Chaque année, à chaque saison de pluie, c'est des dégâts pareils qui se posent souvent, plus précisément dans le secteur matériel. Alors, est-ce que vous ne craignez pas, il y a le courant, il y a l'eau, je vois des gens en train de sortir l'eau de leur concession. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait... comment on appelle masse et qu'il y ait quelqu'un d'électrocuté? Bon, c'est que nous avons l'inquiétude là, mais on a envisagé des dispositions parce que tout le monde est alerté. Quand la pluie commence à tomber, tout le monde est informé, sensibilisé de trouver une voie de moyen pour que l'eau ne serait pas en contact avec le courant. Donc la famille même, certaines familles, chaque famille a un disjoncteur. Donc chaque famille cherche à éteindre la partie de la disjoncteur. Il n'est pas que l'eau est en contact avec le courant. Donc on a pris des dispositions. Parce qu'en tant que membre du conseil de quartier, quand ça pleut là, nous on ne dort pas. Hein, parce qu'on sait qu'il y a certains de nos citoyens qui sont en danger. Donc on ne peut pas dormir. Donc c'est pour cela que vous m'avez vu comme ça, là, habillé en culotte et en botte. Je suis venu au secours pour voir
l'air état, s'il n'y a pas eu de dégâts matériels, s'il n'y a pas eu de pertes en vie, mais j'ai constaté qu'il y a eu des dégâts. Donc c'est pour cela que je suis dans l'eau comme ça, là, je me suis habillé directement pour venir aussi tout pour les encourager, pour leur dire que le conseil de quartier est tout près d'eux. Nous n'avons pas le moyen pour les soutenir, mais on peut les consolider, c'est-à-dire les encourager. Ce qui les arrive, ce n'est pas notre intention. Donc on n'a pas le moyen pour les aider, mais c'est pour les réconforter un peu de prendre le courage. Alors vous-même, vous êtes victime. Oui, je suis victime. Voilà, quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui à l'endroit des autorités? La question là est la bienvenue. Ce que moi je demande à l'autorité de la transition, c'est de venir au secours de ces anciens. Mais le gros problème ici, c'est le canal qui doit drainer de l'eau vers la mer, c'est le canal là qui est rétréci. Donc le chef de quartier a même fois écrit au ministère des Travaux publics de 2019. Jusqu'en 2020, il n'a fait qu'écrire. Même le directeur national des travaux publics est au courant. Donc nous demandons aux nouvelles autorités de venir, surtout le ministre chargé des infrastructures, de venir, de dépêcher une délégation à Damoulidé pour venir constater les faits, les dégâts causés par cette pluie. Donc nous demandons à l'autorité de venir nous aider. Il y a un point ici qui est rétréci. Donc il faut qu'on enlève le pont là, on reprend le pont pour que l'eau qui vient là, dans le canal, la piste vienne dresser vers la mer. Donc c'est cet appel-là que je demande à l'autorité. Si l'autorité ne vient pas en aide, la manière dont la pluie commence à tomber, je risque qu'il va y avoir des pertes en vie humaine. Il y a même des bâtiments, des concessions qui vont tomber. Parce que vous-même, vous constatez, des fois l'eau monte jusqu'à une hauteur de 2 à 2 mètres. Donc quand l'eau monte à 2 mètres dans une concession, la concession est dans l'eau. Donc c'est des risques. Il y a des familles ici qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants. Les enfants, là, comment on va les sauver quand il y a l'eau? Donc il y a tout ce problème. Donc l'État n'a qu'à tout faire de venir en aide. Ce n'est pas ici seulement. Hein. Il y a plus de 2 concessions, il y a plus de 3 à 4 concessions qui sont dans les situations pareilles. Okay. Merci beaucoup. Okay. Quels sont les matériels de la famille? Ah, c'est le canal de l'État.